Nous étions à la messe se déroulait très bien. Vers, je pense, juste pendant que la prédication est commencée, on a commencé à entendre le gaz lacrymogène qui aurait été la première lancée a essayé un peu de paniquer les gens, mais le prêtre a dit de nous aussi, là à l'intérieur. Soudain, après trois minutes, il y a une deuxième lancée qui a été jetée, un deuxième projectile qui a été jeté. Bon. Tout le monde a paniqué. Les gens qui étaient à l'extérieur ont couru vers l'intérieur de l'église parce qu'il y avait un bain de foule tellement bombé là. On nous a un peu demandé de nous calmer. On était là à l'intérieur. Derrière là-bas, il y a un troisième coup de pied qui a retenti. Les gens commençaient à sortir parce que le gaz ne pouvait pas être contenu à l'intérieur. Le vieillard et tout le monde, on a prévu de mettre la margarine. Mm-hmm. C'est maintenant tout le monde qui a mis la margarine et ceux qui n'avaient pas trouvé la margarine, les larmes coulaient et on est sorti comme ça. On est sorti à l'extérieur, on a trouvé le phare d'essai, mais apparemment le phare d'essai était un peu plus civilisé que les policiers qui étaient arrivés, mais ce sont des policiers un peu déguisés. C'était habillé en tennis cache-cache vraiment noir foncé avec côté pantalon. Au-dessus, ils ont mis, c'est comme un jugé pare-balles, mais un peu bleu foncé là. Vraiment, on ne sait pas si ce sont des policiers ou des quels. Qui apparaissent dans les réseaux sociaux à propos de la fameuse marche du 31 décembre 2017, promue, dit-on, et organisée par l'Église catholique en vue de créer un climat de pression exigeant l'alternance des institutions au niveau politique. Il se pourrait qu'il y ait ici et là des propos ou même des agissements de certaines communautés chrétiennes qui incitent tapageusement les gens à poser des actes de nature à provoquer la violence. À ce sujet, le diocèse de Goma dit et répète la recommandation des évêques du Congo réunis en assemblée plénière du 23 juin 2017 est formulée en ces termes. Sans nous lasser, confions le processus électoral à Dieu, maître de l'histoire. Aussi, demandons-nous instamment aux prêtres à partir du 30 juin, d'inviter dans chaque paroisse de nos diocèses le peuple de Dieu, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté, à un moment de prière intense et de jeûne pour la nation. La prière doit aussi nous disposer à rendre plus inventive notre solidarité et notre proximité fraternelle avec nos compatriotes vivant dans les zones de conflit, en nous mobilisant pour une assistance humanitaire conséquente. Cela dit et affirmé avec force, l'Église catholique invite plutôt à la prière et à la solidarité. Elle n'organise pas une marche quelconque, mais encourage l'organisation sans violence, conformément aux dispositions de la Constitution. Si les autorités jugent qu'il est opportun de prendre des mesures pour éviter des dérapages possibles et les emporte la responsabilité. Fait à Goma le 30 décembre 2017, Monseigneur Théophile Kaboy, évêque de Goma. Merci. Depuis le matin de ce dimanche,
31 décembre 2017, la connexion ne marche pas. Et vous êtes militaire de Philippe, citoyen congolais. Comment vous analysez cela? Finalement, nous ne comprenons plus rien dans ce pays. Au 21e siècle, imaginez, on fait la coupure des messages téléphoniques, mais aussi de la connexion Internet. Ça, c'est une atteinte grave, vraiment, dans l'humanité. Et aussi au 21e siècle, le siècle de la technologie, on ne comprend pas le gouvernement, qu'est-ce qu'ils veulent finalement. Nous savons que c'est juste pour des raisons politiques, parce que les politiques n'ont pas vraiment respecté tous leurs engagements. On ne sait pas finalement où est-ce que nous allons. Et la connexion Internet, ça ne marche pas, vous? La connexion ne marche pas depuis hier à 20h. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas les motifs qui peuvent amener à ce qu'il y ait coupure de la connexion. Et ça, nous allons continuer à marcher, non seulement revendiquer le respect de la Constitution et de l'accord, mais aussi ils doivent délibérer cet espace d'Internet pour que la population, parce que ce ne sont pas seulement les activistes qui sont visés, mais finalement ce sont toutes les couches sociales qui sont maintenant menacées par cette situation. Et nous pensons que cette façon de faire des choses n'est pas la bonne. Nous devons continuer tous à faire pression, population et les confessions religieuses, mais aussi tout le coût social. Parce que finalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ça, c'est une menace grave à la population. Et d'ailleurs, c'est une atteinte à l'autorité de tout le monde. Selon votre analyse, vous constatez que cela est dit au régime ou bien c'est juste une copie observée de la part, je ne sais pas, des réseaux de télécommunications? Mais nous avons lu hier la lettre du ministre Emery Okundji de PTNT, lui qui a demandé aux différents réseaux de couper les SMS et la connexion Internet. Ça, c'est très grave. Avec quel objectif? Dans une société moderne, dans l'objectif d'étouffer et de ne pas permettre la communication de ce qui devrait se passer normalement aujourd'hui, la date de la fin du Bonus ou de l'accord de la Saint-Sylvestre, un accord qui a permis au gouvernement de pouvoir organiser des élections afin de permettre une alternance pacifique au sommet de l'État. Mais la classe dirigeante n'a pas voulu cela. Et voilà, nous sommes tombés maintenant dans une autre crise, celle de la guerre médiatique. Voilà, vous êtes maintenant vous-même intéressé, les journalistes et tout le monde. C'est une atteinte grave et nous pensons que nous devons condamner ça. Nous allons continuer à faire appel à tout le monde afin que cette situation ne puisse pas perdurer, parce qu'ils doivent aussi libérer cet espace médiatique, mais aussi permettre à la population d'évacuer librement à leurs activités d'Internet, des réseaux et consorts. Mais aussi pour ce qui concerne les raisons politiques, c'est bien évidemment les raisons politiques qui ont fait à ce qu'on puisse couper la connexion Internet. Mais nous pensons que la lutte va continuer. Ce n'est pas la raison Internet qui peut nous amener à faillir. Parce que les États-Unis, quand ils ont mené la lutte, la France et tous les autres pays qui nous ont précédés, ils n'avaient pas de connexion, ils n'avaient pas de moyens venant de l'extérieur, mais ils se sont donnés corps et âme en tant que des individus, des hommes intègres pour libérer leur pays. Et c'est ce que nous faisons aussi, et nous le ferons pour toujours pour notre pays. Merci. Merci. Soyez congolais, il s'observe une coupure de la connexion Internet, même il y a les SMS, qui ont un petit problème, on n'arrive pas à envoyer les messages. Quelle est votre analyse, vous, en tant que citoyen congolais? Bon, en tant que citoyen, nous venons de le constater, c'est un peu depuis très tôt ce matin. Et comme tout citoyen qui a envie de communiquer avec ses proches personnellement, parce que la mission politique peut-être elle est loin de chacun de nous, nous sommes un peu navrés parce qu'on a envie de communiquer, de faire d'autres affaires que la politique, mais nous sommes bloqués à ce niveau. Et nous pensons que l'autorité doit essayer, malgré ce qu'il cherche à garnir pour sa sécurité du pays, parce que aussi à la sécurité et à la responsabilité de tout et chacun, a envie que les choses puissent bien marcher. Selon vous, cette coupure est dite à quoi? Bon, on dirait vraiment la situation politique de notre pays. Peut-être elle est toujours derrière tout ce qui se passe. Et maintenant, est-ce que pensez-vous que ça sera, disons, rétabli dans les heures qui viennent ou bien? Bon, notre souhait est toujours qu'on puisse voir la connexion être rétablie. Et comme on l'annonçait, aujourd'hui c'est là un des accords de la Saint-Sylvestre, nous pensons que ça sera aussi peut-être l'occasion de donner la place aux gens de s'exprimer si on rétablissait la connexion et aussi permettre un peu de se rappeler qu'il y a des accords qui ont été signés et les mettre en œuvre pour le bien-être de tous les citoyens congolais. Vous, en tant que citoyen congolais et habitant de Goma, est-ce que vous soutenez la marche pacifique projetée par les rassemblements ainsi que les laïcs et la coordination des églises catholiques?
Bon, parlant de la marche, en tout cas, c'est une idée qui est complexe parce qu'on ne sait pas la position de ceux qui veulent, ceux qui sont à la, les acteurs principaux. On ne connaît pas concrètement ce qu'ils veulent parce qu'ils sont, on l'a appris, on peut y avoir des dichotomies entre eux. Les gens ne marchent pas, d'autres disent marchons. Et à ce moment, nous laissons en tout cas tout à leur guise. Merci. Éphésiens chapitre 2, 8 à 9 nous dit: car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous. C'est le don de Dieu, non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ezaka Kangolou, Mutuami Kumisate, Yomoto Zingolou, Yakotea, Eza Fremangolou. Bafamiko kabwana.